Salut à toutes et à tous, bienvenue dans 93e minute, votre après-match de Peuple Olympien. Aujourd'hui, grande victoire de l'Olympique de Marseille, 2-0 sur la pelouse de Monaco. On est très très content d'être avec vous ce soir pour débriefer ce match. Ce soir, je suis en compagnie de Axel notamment. Comment ça va, Axel? Bah, ça va nickel. Comme tous les veilles de victoire, juste après les victoires, ça va nickel. Bah ouais, c'est sûr, on est très content. Mais cette très très belle victoire de l'Olympique de Marseille. On est aussi avec Baptiste. Comment ça va, mon Baptiste? Bah écoute, nickel, hein, comme il l'a dit Axel, hein, on a gagné, la forme, le fond et la forme sont remplis, donc bon, on peut être heureux. C'est ça, on est très très heureux ce soir. Après cette très 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 belle victoire, notamment par le contenu, on va en reparler dans juste quelques instants, juste après que je vous ai présenté notre troisième chroniqueur du soir, Robin Robinho. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super super bien. Je suis comblé ce soir. Et ouais, on est comblé ce soir. On a vu un match de très très haut niveau et justement on va en parler dans le jeu de l'Olympique de Marseille. C'est par cela qu'on va commencer. Première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui vous a le plus séduit ce soir? Enfin, c'était parfait du début à la fin. Le gros pressing, bon, on a eu 10-15 minutes à la fin de répit, mais à part ça, c'était un super match.
Axel. Non, mais ouais, t'as raison, c'était un super match, voilà, les 15 dernières minutes, mais de toute façon, les joueurs se sont tellement donnés qu'à un moment donné, c'est normal qu'ils s'essoufflent, puis Monaco, ils n'en ont pas profité, ils ont rien montré, dans la stat, zéro tir cadré pour un match à domicile, enfin, un match à domicile. Monaco n'est jamais à domicile, ils n'ont même pas de public, mais bon, ça, Oui, c'était c'est totalement ça. maîtrisé, vivement jeudi, quoi, en fait. Ouais, vivement jeudi et vivement que l'OM revienne. Cette trêve internationale était bien trop longue sans notre club adoré. Axel, je viens de te demander, mais Baptiste, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la performance globale du club, enfin de l'équipe? Ah bah, j'ai aimé, hein, comme on est sur un jeu qui était assumé par Sampaoli, il jouait court, tout ça, avec un peu, bon, il y a eu quelques passes un peu compliquées, mais en soi, ça fait plaisir. On retrouve, comme on est en stage, on est sur 10 points, ça serait 10 points pris en 4 journées. Gagne, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Non, c'est sûr que ça fait plaisir, il y a du jeu, on cherche, on tente des trucs, on trouve des joueurs, il y a une complicité dans l'ensemble et tous les joueurs vont bien ensemble, donc c'est sûr que ça fait très plaisir. Oui, il y a une sacrée complexité, complicité. Et surtout, ouais, on voit que même des joueurs qui viennent d'arriver, qui n'ont jamais eu tant de jeux cette année, je pense à Dieng et je pense à Harit notamment, bah voilà, ils sont pas du tout dépaysés et ils s'en sortent extrêmement bien. Et ils rentrent parfaitement dans cette équipe, dans ce début de, dans ce premier match avec eux. Et ils ont tous les deux extrêmement pesé sur le match. Toi, Robin, t'as pas entendu sur le jeu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement plu ce soir? Oui, ben, en fait, c'est le premier match maîtrise le sujet de bout à bout. Ouais. C'est quand même face à Monaco, quoi. C'est quand même quelque chose. Le premier Alors Robin, depuis une dizaine de matchs. tu bugs un petit peu. Je sais pas si c'était que pour moi, mais je pense que non. T'as un peu crépité. Est-ce que tu peux recommencer ta petite phrase, mon gars, s'il te plaît? C'est mieux là? Pour l'instant, oui. Ok, ouais, non, je disais que c'était assez satisfaisant parce que qu'on a su contrôler le coup. Et puis c'est pas un certain client quand même. Et c'est d'autant plus satisfaisant que c'est le premier clean sheet qu'on fait une dizaine de. Et oui, c'est ça. C'est la première fois que Marseille ne prend pas de but cette saison, sur les 4-5, on va dire, même premier match. Parce que, oui, on a pris un but minimum par match. Et cette défense, qu'elle soit composée avec Alvaro ou avec Balerdi, avait concédé un but minimum par match. Et aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Et c'est aussi une des belles satisfactions de la journée. Et en plus de ça, on a été très très peu en danger. On avait vu l'OM prendre des buts. Souvent sur des coups de pied arrêtés, un peu des coups du sort, des frappes contrées par Luan Perez notamment. Là, il n'y a pas eu de coups du sort, il n'y a pas eu de but encaissé. On ne peut qu'être satisfait de la défense, Axel. Ah, techniquement, c'était parfait. Voilà, on a toujours notre Saliba national qui est partout, qui rassure. Après, on a eu Bob Alerdi qui a eu quelques déchets, mais qui a été propre. Et la grande satisfaction pour moi, Luan Perez, qui a, malgré que, voilà, comme tu l'as dit, avec ses buts contre son camp là, lors des deux premières journées, son camp au Riolage qui a repris la tête à l'endroit et Ouais. c'était parfait défensivement. Et puis, j'allais dire Paul Lopez, mais bon, pour zéro tir cadré, mais voilà, il y a eu un Ouais, premier match tranquille. il a quand même, voilà, il a pas été pas rassurant. Bon, à part en début de match avec cette petite erreur, on va dire, accompagnée de, ouais, avec Saliba. Mais à part ça, franchement, voilà, il a pas du tout. Dans les airs, il était rassurant. J'ai eu l'impression qu'il a remplacé Mandanda, qui était blessé. J'ai l'impression qu'on a vu Mandanda à la fin du match avec un bandage. Je pense que c'est dû à ça que le gardien marseillais était remplaçant. Mais du coup, on a vu pour la première fois Paulo Lopez et on a été content, quoi. C'est aussi bien que les recrues jouent et que les recrues jouent dans un match qu'on gagne à l'extérieur contre Monaco, qui bon, ne fait pas le meilleur début de saison de sa vie. Mais qui joue un beau football tout de même avec un très bon coach. Alors on va commencer, on va faire la petite chronique de c'est Robin qui non c'est Axel qui s'occupe de la tactique aujourd'hui. C'est ça. Axel, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donc le plus marqué aujourd'hui et qu'est-ce que tu as retenu de la tactique dans ce match, que ce soit Sampaoli ou même de l'autre côté niveau côté Nico Kovac, pardon.
Non, on va pas parler de Niko Kovac, on va parler de la tactique de Sampaoli, mais et sur un joueur qui vient d'arriver, enfin qu'on connaît, c'est le positionnement de Paul Lirola. Où on s'est dit, quand la composition est arrivée, on s'est dit under Lirola. Et avec, alors c'était qui? C'était, du coup, on avait Harry, Dieng, mais on ne savait pas où est-ce que ça allait se placer. On a vu que Lirola, en fait, il a pris la place de Gerson au milieu de terrain. Et on voyait qu'en en phase défensive, ce qui était comme Rongier faisait, Pulisic le couloir droit, mais qui est vraiment son poste. Et j'ai trouvé que même au niveau en attaque au milieu de terrain, il était bien, il n'y a pas eu d'erreur, j'ai trouvé excellent. Et je pense que c'est pour ça que Sampaoli aussi a fait en sorte de vouloir le garder, à forcer malgré le prix que la Fiorentina, on va pas en reparler, mais voilà. Moi j'ai trouvé intéressant dans son placement. C'est ce qu'il nous fallait en fait, un latéral droit qui peut. Parce qu'on a besoin d'un latéral droit, en fait. On l'a vu avec Rongier qui faisait le taf. J'ai vraiment senti que Lirola apportait la sérénité. Et aussi, je vais parler aussi de Camara qui, voilà, oui. En phase défensive, toujours. On repassait à 5 défenseurs, on l'a vu, avec Camara qui coulisse. Et c'est pour ça qu'il est important pour moi. Parce qu'en fait, comme c'est son poste de formation, il y a plus de facilité à revenir en défense. Et c'est pas comme si un Guendouzi revenait à un Gerson. Et c'est pour ça que je le trouve intéressant. Et il va falloir que, si on devra le remplacer, enfin, je me projette. Il va falloir trouver quelqu'un qui est capable de faire ça si on continue comme ça. Que pour moi, c'est la clé. Et sincèrement, là, je suis fier de mon équipe. C'était le meilleur match et j'en demande tous les jours. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'avec l'arrivée de Lirola, tu parlais de Rongier qui avait joué à ce poste-là. Tu parlais de Camara qui avait joué à ce poste-là. Et finalement, les deux ont pu jouer à leur poste de prédilection et ont été performants dans un poste donc, qui leur convient mieux. Et donc, l'arrivée de Lirola permet d'avoir quelque chose en plus avec ses qualités à lui, mais qui permettent aussi de mettre en lumière les qualités des autres joueurs qui étaient à sa place d'habitude. Et c'est ça qui est intéressant en fait avec ce positionnement, c'est que Lirola jouait latéral droit, enfin piston droit même, et Camara a pu se replacer en 6 en phase offensive et en défenseur central en phase défensive, pendant que Rongier a pu jouer un milieu de terrain pur, et on l'a jamais vu aussi fort qu'aujourd'hui à l'OM. On en reparlera sûrement tout à l'heure dans les top flops, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant qu'on a vu. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez été séduit, je vais poser la question d'abord à Baptiste, par le fait que Lirola implique justement tout ça dans le club marseillais? Évidemment, les supporters qu'on soit, on demandait à ce qu'on le signe, parce qu'il connaissait le jeu, il a déjà joué avec des joueurs. Puis non, mais de le voir dans cette position, tu vois qu'il fait du bien quand même. Tu sais que même si Rongier a fait un match vraiment assez incroyable, quand il faut le souligner, ça fait très longtemps, je pense qu'on l'avait pas vu comme ça. Mais j'en reviendrai dans les top les flops. Mais vraiment, ce jeu me fait plaisir et avoir des joueurs en fait qui donnent envie comme ça, qui se trouvent, parce qu'on voyait, non, c'était vraiment très très beau et très intéressant dans le jeu, quoi. Les gens se trouvaient, c'est ça qui donnait envie. Oui, c'est sûr, les gens se trouvaient. Robin, vas-y. Bah, moi, paradoxalement, ce match, il m'a aussi ouvert plein d'incertitudes et plein de questionnements, malgré la très bonne performance. Parce que tout simplement, on a vu un Lirola, comme tu l'as dit, qui a remplacé un peu le rôle de Gerson. Mais quand Gerson va revenir, où est-ce qu'il aura place, ce Lirola-là, dans le système tactique? Parce que Wunder gardait son aile droite, que Dieng, du coup, était plutôt placé à gauche. Mais je veux dire que quelque part, est-ce qu'il prendrait pas la place de Rongier ou d'un autre milieu de terrain plus bas, qui dans ce cas-là, après, il pourrait revenir dans ce rôle de piston droit, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'enchaînement des matchs, Ligue 1, Ligue Europa, parce que là on va jouer tous les 3 jours pendant un mois jusqu'à la trêve internationale, tous ces joueurs-là vont pouvoir tourner. On a vu aujourd'hui qu'avec 4 joueurs qui étaient titulaires pour la première fois, et bien on arrivait à gagner 2-0 contre l'AS Monaco qui était troisième l'année dernière. Je trouve que ça montre que l'effectif de l'OM est complet et que ça va pouvoir tourner. On a joué sans Payet, il faut le rappeler. On a joué ce match sans Payet. Harit l'a extrêmement bien remplacé. On a joué sans Conrad de la Fuente, Dieng a mis un doublé. On a joué sans Gerson. Rongier a fait un des meilleurs matchs depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Les joueurs sont ensemble. Les joueurs, peu importe qui joue, c'est pareil en fait. C'est ça, moi, ce dont j'ai l'impression et qui me fait plaisir aussi dans ce OM-là. Non, c'est sûr, mais après, quelque part, est-ce que
le fait que l'effectif soit aussi fourni, ça inclut pas du coup de laisser des joueurs sur le côté, en sachant que du coup, ben, Sampaoli, il a le choix. Et il a un effectif qui est largement, largement bien fourni. Donc, c'est à lui aussi de faire les bons choix et c'est à lui de pas se tromper dans les différentes directives qu'il veut donner aux joueurs pour chaque match. C'est-à-dire que si, lors d'un match, il préfère du coup sortir Lirola et sécuriser plutôt le milieu de terrain, déjà, ça voudra dire que, ben, quelque part, il pénalisera la défense, puisque Lirola, il a quand même fait un bon taf défensif sur ce match-là. Mais si jamais ça s'annonce pas performant, c'est sur lui qu'on remettra la faute, quoi. Donc, pour moi, je pense que le fait qu'il ait autant de joueurs, ça joue pas forcément tant en faveur que ça. Parce que ça crée quand même un gros déséquilibre dans l'équipe, l'absence ou la présence de Lirola. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que finalement, peu importe qui joue, si c'est pareil, et bah tant mieux. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème s'il arrive à trouver justement cet équilibre entre faire jouer les titulaires, faire jouer les remplaçants. Donc finalement, le but, c'est d'avoir aucun titulaire et aucun remplaçant, quasiment, hein, je grossis le trait, mais pour qu'au final, aucun joueur ne se sente délaissé. Bon, là, on voit par exemple Jordan Amavi qui a zéro match, lui, on se doute qu'il ne jouera pas tant que ça cette saison. Et voilà, on a vu Rongier être titulaire deux fois et être remplaçant deux fois. On a vu Henrique être titulaire à la place de Conrad dans le match contre Nice. Voilà, j'ai l'impression aussi qu'il fait son bonhomme de jeu, enfin qui fait, oui, c'est sa tactique aussi en fonction des adversaires et en fonction de ce qu'il a à disposition. Alors, j'ai deux propositions. La première, c'est vous qui nous écoutez, je vois qu'il y a 50% des gens qui ont répondu au sondage qui nous disent que Lirola n'a pas été un positionnement réussi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pourquoi vous avez pensé que Lirola n'était pas un positionnement réussi, comme ça on va pouvoir en discuter avec vous. Et surtout, on a Chris1314 qui nous dit « Monaco n'a pas joué ». Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Monaco n'a pas joué, ou est-ce que c'est l'OM qui a finalement empêché complètement Monaco de jouer par sa qualité, par son pressing, par ses transmissions de balles, Baptiste? Ah, perso, alors, ce soir c'est très compliqué pour Monaco, parce qu'on sait que Monaco est quand même une équipe qui a du jeu, hein, faut pas oublier, l'année passée ils ont fait une très bonne saison, quoi que ce soit. Il y avait déjà pas mal d'absents de leur côté, hein, faut pas oublier qu'ils avaient quand même des joueurs, des cadres de leur équipe qui étaient absents, tout ça. Après, dire qu'ils n'ont pas joué, je dis pas non, mais je dis juste qu'en fait, on a d'un côté, les absents leur ont coûté cher, et d'un autre côté, je pense qu'ils n'étaient pas prêts à tomber sur un OM aussi préparé, je pense. Je pense qu'ils savaient très bien, même quand quand Kovac l'a dit en conférence de presse ou quoi, a pu parler, on sentait qu'il disait que l'OM était fort, mais est-ce qu'il se pensait que l'OM était prêt à dérouler un niveau aussi élevé et aussi puissant? Je suis pas sûr. Je pense que réellement, ils ont été assez surpris par le volume de jeu, comme on pouvait l'entendre, et par ce style de jeu et cette tactique en soi, et un peu cette communion entre tous les joueurs. C'était vraiment à un niveau assez haut, et vraiment, il y avait quelque chose d'intéressant et d'ultra puissant sur ça, quoi. Ouais, c'est ça, hein, finalement. Pour moi, je suis assez d'accord avec toi. Monaco a été surpris par le niveau de jeu de l'OM. Enfin, je dirais pas surpris, parce que c'est pas la première fois que l'OM joue comme ça, et que face à une équipe, entre deux équipes qui jouent au ballon, c'est celle qui a le mieux joué qui a dominé. Et finalement, Monaco n'a pas réussi à sortir du pressing. On a vu que Ben Yedder, qui revenait un peu de blessure, n'a pas réussi, n'a pas tenu le coup physiquement. On a vu qu'au milieu de terrain, Tchouaméni était un peu seul. Matsima, il s'est fait déborder 15 fois par Dieng sur le côté gauche. Et ça faisait beaucoup pour un match comme ça, un match de cette intensité. Donc, ouais, je pense que c'est aussi ça qui a été problématique. Alors Chris nous dit, aucun tir de Monaco, je crois, juste une 7 au-dessus de la barre de Voland. Alors non, c'est aucun tir cadré, mais il y a eu 6 tirs de la part de Monaco. On va en reparler dans la stat qui arrive juste après. Enfin, je ne sais pas si on va parler de cette stat-là, mais on va parler des stats juste après. Dodi nous dit, l'OM a fait un gros match, Camara et Rongier ont éteint le milieu monégasque, c'est aussi vrai. Mais surtout, il y a Valentine qui nous dit, par rapport à Lirola, j'ai trouvé qu'on n'avait pas vu beaucoup par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir auparavant, et il ne faut pas trop le balancer de partout non plus. Je vais laisser Axel répondre, vu que c'est son petit top tactique aujourd'hui, et après on va passer à la stat de Robin. Non, mais par rapport à Lirola, je suis d'accord, parce qu'il a été balancé un peu partout, mais moi, après, faut dire, on l'a moins vu qu'auparavant, mais avant, il jouait vraiment latéral droit, là, il était un peu... Voilà, on est d'accord que ce n'est pas son poste milieu de terrain. Donc je suppose qu'il était quand même un petit peu perdu. Un petit peu perdu. Il vient d'arriver. Il est arrivé en fin de mercato, il est arrivé contre Saint-Etienne. Enfin bref, je pense pas qu'il n'a pas eu le temps de s'adapter.
Donc bon, je trouve sévère, mais je ne l'ai pas trouvé non plus. On peut pas dire qu'il a été non plus mauvais. Surtout pour un rôle qui n'est pas vraiment le sien. Parce que, oui, surtout je le répète, le terrain, on est d'accord que voilà, c'est pas son rôle. Surtout que tu n'en as pas parlé comme un top, mais plus comme un joueur qui a marqué le match de son empreinte par sa tactique, par son apport tactique par rapport aux joueurs qui jouaient à son poste avant. Donc c'est ça que qu'a voulu mettre en lumière Axel. Alors on va passer à la deuxième chronique de notre partie le jeu. C'est Robin qui va nous parler d'une stat qui l'a marqué aujourd'hui. Oui, alors bah, je vous cache pas que forcément l'absence de tir cadré de Monaco, on va en débattre forcément. Mais du coup, pour pallier un peu ça, parce qu'on en a déjà un peu parlé, j'ai trouvé une deuxième stat. Alors du coup, on va revenir quand même sur ça. Aujourd'hui, 6 tirs de Monaco, aucun cadré. Oui. Ça témoigne d'une part que la défense olympienne a été très solide. On voit quand même Balerdi qui a récupéré énormément de ballons. Ouais. Et on a vu des belles couvertures aussi de sa part. Puis au milieu de l'autre côté, on a vu des Saliba et des Luan Perez très entreprenants. Que ce soit pour les récupérations de balles, mais aussi pour aller de l'avant. On a vu d'ailleurs la passe décisive de Luan Perez. Et d'autre côté, ça témoigne aussi quelque part d'un sentiment de on se sent rassuré à l'intérieur de cette défense. Les transitions de passe ont été très très bonnes. Et même s'il y a eu quelques erreurs en début de match, c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout fait inquiéter, que ce soit dans le jeu ou dans les coups de pied arrêtés. Il y avait aussi une très grosse évolution dans ce point de vue-là. C'est que sur les précédents matchs, on était beaucoup inquiétés sur les phases de jeu arrêtées, alors que là, bah, c'était vraiment bien défendu et bien joué à chaque fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah ouais, je suis assez d'accord avec toi. On a très peu été inquiétés dans tous nos matchs. Et on a, sans compter le match de Nice, qui n'est pas allé à son terme. On avait été, c'est le match où on était le plus inquiétés, mais aussi par rapport au jeu de Nice, qui est bien plus impressionnant que les autres. Mais finalement, c'est vrai qu'on a été très peu inquiétés, on a encaissé pas mal de buts. Et là, le fait qu'au milieu de terrain, on ait trouvé l'équilibre avec Camara, Rongier, Guendouzi qui ont récupéré énormément de ballons, et l'apport des défenseurs, Pérez, Saliba, Balerdi, qui n'ont pas été exempts de tout reproche pendant tout le match, mais qui ont à chaque fois compensé les erreurs de leurs coéquipiers. Et donc finalement, on n'a été jamais en danger. On a subi très peu d'occasions, à part le pétard de Badiachil qui est passé complètement à côté. Donc. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et que cette stat des 0 tirs cadrés, elle démontre que l'OM n'a jamais été déstabilisé par cette équipe de Monaco. Baptiste Axel, qu'est-ce que vous en pensez? Je te remercie. Comment tu vois que tout simplement Monaco n'arrive pas à planter, faut pas oublier que Monaco c'est quand même. On peut dire que Monaco sur c'était pas ça, mais tout ça. Il ne faut pas oublier que Monaco est quand même une équipe qui a du jeu d'habitude. Hein. Il y a une grosse équipe, il y a un gros adversaire de l'OM. Donc ce soir, ça fait entre guillemets plaisir de se dire qu'on a nos défenseurs. Et puis quand on voit Pérez, quand on voit qu'il se trouve avec Saliba. Et puis même dans le jeu, on voyait Pérez qui allait. Hop, Pérez faisait une première passe, ça passait à moitié. Et bah tout de suite derrière, soit Saliba, soit un autre, il y allait. Et en fait, c'est ça qui était beau, c'est qu'il y avait de la communion. Et les relais étaient bons. Il n'y a pas un joueur pareil sur le deuxième but de Diem, on peut reparler en attaque. Hein. Et pareil, on but Dieng qui passe, qui se merde un petit peu, et bah Harit, tout de suite, il y va, Dieng qui se relève, qui se remet en position, et il plante. Ça fait plaisir et ça donne de la confiance, et c'est ça qu'on veut voir. C'est des joueurs qui, entre eux, se soutiennent. Vas-y, Baptiste. T'es mute, Baptiste. Non, c'est à Robin. Ah, Robin, non, c'est non, pas... Axel, du coup. Axel, pardon, ouais. Ah, merci. Non, mais du coup, après, voilà, on parle de Monaco qui a, certes, qui a du jeu, mais sur les derniers matchs Ligue 1, enfin, depuis le début de saison, ils avaient marqué que 2 buts, du coup, contre 3. Ils ont pas, même offensivement, enfin, ouais, ils ont marqué contre le Shakhtar en barrage, mais en termes de Ligue 1, ils ont pas non plus, ils ont fait du beau jeu, je suis d'accord, mais ils ont pas été non plus tueurs devant le but. Donc, c'était pas non plus une grosse armada. Puis, comme tu l'as dit, Ben Yedder, il était blessé, on sait même pas s'il allait jouer ou pas. Volant, c'était pareil. Après, ça n'enlève rien au match de l'OM, mais pour moi c'était vraiment une petite équipe de Monaco, et c'est toujours bien de gagner contre eux parce qu'on avait du mal à gagner à chaque fois. On se rappelle du fameux 6-1 ou on en parlait du 2-1 ou du 3-1 de la saison dernière,
Et ça fait du bien, mais il ne faut pas non plus se dire que c'était la grosse équipe de Monaco. Moi, je reste quand même un petit peu prudent. Ouais, c'est sûr que c'était pas une grosse équipe de Monaco, mais qui a été pas qui a quand même des internationaux français. Je pense à Ben Yedder, je pense à Tchouaméni, qui a été très très bon avec l'équipe de France, qui a d'ailleurs été très bon ce soir, on va en reparler peut-être un peu après. Mais oui, il y avait quand même du beau monde, malgré le fait que oui, c'était pas le Monaco de l'année dernière, on s'en est bien rendu compte. Mais voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Marseille a gagné 2-0, Marseille n'a pas encaissé de but. Marseille continue de marquer des buts à tous les matchs, c'est 2 minimum par match depuis le début de saison. On ne va pas s'en plaindre et on va continuer, on espère, sur cette lancée. Et jeudi, ça continuera jeudi contre le Lokomotiv Moscou en Russie. On en reparlera à la fin de ce talk. Maintenant, on va passer à la suite de notre talk et on va passer au coaching de Jorge Sampaoli. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est la compo de départ. Au-delà du résultat, qu'est-ce que vous en avez pensé? Robin, en premier lieu, quand tu as vu la compo tout à l'heure, quelle est la première chose Alors que tu t'es juste, dite? j'avais une deuxième stat. Ah, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, mais après, juste pour conclure par rapport à la première stat, c'est vrai que du coup, le fait que l'attaque monégasque soit aussi muette ce soir, c'est sûr que ça arrange pas les affaires de Paulo Lopez, parce que même s'il était bon dans ses sorties, on n'a pas pu trop voir ce qu'il valait. Donc ça, c'était juste pour conclure un peu la première stat. Mais après, j'ai une deuxième stat qui va être intéressante, parce que on a parlé du coup de la défense solide olympienne, mais il y a aussi l'attaque qui a été assez tranchante. Bamba Dieng, je suppose qu'on va en parler plus tard pour les tops et les flops, Ah, c'est mais là j'avais fantastique. une stat intéressante sur Amin Harit. Allez. Alors Amin Harit, c'est le joueur sur ce match qui a été impliqué sur le plus de duels, en l'occurrence 19 duels. Et sur ces 19 duels, il en a gagné 15, Ah ouais. dont 14 duels gagnés au sol. Incroyable. Et c'est vrai que en l'absence de Payet, il nous montre dès aujourd'hui que c'est un sérieux concurrent. Et peut-être pas concurrent, mais un très très bon remplaçant, Ouais. capable de se battre sur le terrain. Et c'est vrai que quand on voit le nombre de duels qu'il gagne, c'est vraiment un élément important aujourd'hui d'ancrage dans le cœur du jeu marseillais, capable de faire les différences donc, et capable du coup d'apporter offensivement, parce que c'est quand même lui qui est pratiquement l'auteur du deuxième but. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu dans notre jeu. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est que cette stat, elle reflète aussi autre chose, c'est que quand il est sorti. Dans le dernier quart d'heure de jeu, remplacé par Gerson, directement j'ai trouvé qu'on avait beaucoup moins d'impact, qu'on arrivait moins à garder le ballon, et que Gerson, dans un rôle qui n'était peut-être pas totalement le sien, avait quand même beaucoup moins d'impact que ce qu'avait pu avoir Harit, et il y a eu un vrai changement. Ouais, Voilà. c'est vrai. Alors, on remercie Cyclone Manager pour son 7e mois d'abonnement Prime avec Peuple Olympien. Vous pouvez faire de même. C'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime. Vous pouvez vous abonner Prime à notre contenu. Ça nous soutiendrait de la plus belle des manières. Et donc, merci Cyclone Manager. On va donc passer à la suite au coaching de Sampaoli. Bah, du coup, je vais poser la question à Axel. Axel, quand tu as vu la compo tout à l'heure, qu'est-ce que tu t'es dit en premier? Comme je l'ai dit, on s'est tous dit un peu, après on savait que sans surtout Payet, parce que lui dit qu'on a l'habitude maintenant, mais sans Payet, on se demandait comment il allait jouer. Alors il y avait les rumeurs en Harit, ce qui s'est confirmé, en Harit numéro 9. Mais en voyant la compo, je pensais vraiment que Dieng allait être en pointe, pour finir à être exporté sur le côté gauche et était très bon. Limite, il pourrait peut-être passer devant Luis Enrique. Non, je rigole, mais. Non, mais moi j'ai trouvé vraiment une belle surprise quand même, parce que Ouais. c'était une surprise pour tout le monde, mais une très belle surprise. Ouais. Très belle surprise de Boba Dieng. Et du coup, toi, Baptiste, quand t'as vu la compo, tu t'es dit quoi? Parce que c'est vrai que c'était une compo surprenante. Alors déjà, il n'y avait pas Et Payet. ben, je me suis. On a vu Amine Ouais. Harit. Il n'y avait C'est pas ça. Gerson. Il n'y avait pas Quadrat de la Fuente. Il y avait le Et premier ben. match titulaire de Lirola, Dieng, Harit et donc. C'est tout, c'est déjà bien. Ouais, c'est ça, c'est déjà ça. Non, ce que je me suis dit qu'en fait, c'était. Je me suis dit, intéressant. Et Ça m'a Paulo attiré Lopez, l'œil. voilà. Pardon, Paulo Ça m'a Lopez. attiré l'œil parce que je me suis. Je, en fait, ça m'a attiré l'œil parce que je dis déjà, il va mettre Harit. Harit, je le sentais bien venir. Paul Lopez, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Je me posais bien la question, j'aurais pas vu. Mais franchement, je me suis dit, c'est quand même osé parce que faut pas oublier qu'avant toute chose, on met quand même Monaco, comme je dis, c'était quand même un gros concurrent. On met Paul Lopez, on met Harit, tout ça. Je me dis que c'est un bon truc. Après, est-ce qu'on Conrad de la Fuente, est-ce que c'est pas encore un coup à Sampaoli pour dire que
les joueurs savent comment ils jouent, peut-être pour essayer de déstabiliser, un peu changer, le faire rentrer pour un peu plus de percussion, c'est possible. Mais cette tactique, moi, ça, c'était très intéressant en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que on commence vraiment à avoir un très bon banc à l'OM, et comme on l'a vu avec les rentrées, même s'ils n'ont pas joué beaucoup, on sait qu'on a des joueurs qui peuvent faire la différence quand ils rentrent, et qui peuvent être très intéressants. Ce qui fait qu'à l'OM, on commence vraiment à avoir, j'ai envie de dire, deux équipes. Même si on n'a pas encore un banc à la base, comme au Barça ou quoi que ce soit, à faire vraiment deux équipes complètes, on a quand même du poste pour poste qui reste très intéressant en soi, et on peut quand même moduler en fonction de si on a des blessés ou quoi que ce soit, si on a besoin de faire sortir des joueurs. Pour pouvoir faire rentrer, il faut pas oublier qu'on n'a pas Payet, pas Milik. Donc ça rajoute encore des postes, encore un attaquant, si Diagne a besoin de Milik pour rentrer, et ainsi de suite. Ce qui fait que, réellement, on a du changement possible, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas le jour où, en fait, on se dit, putain, Payet est blessé, on va mettre qui? Maintenant, c'est fini, ça. Ah ouais. Maintenant, c'est fini. Avant, c'était... Pendant longtemps, on a eu ce problème-là, hein. On peut le dire à l'OM, pendant ce longtemps. Putain, s'il est blessé, on fait comment? C'est vrai qu'il y a eu l'époque où le remplaçant de Payet, c'était Valère Germain, ou alors Marley Hacké. On ne savait plus vraiment qui mettre quand il n'était pas là. Et finalement, là, aujourd'hui, Amine Harit, il l'a remplacé de la plus belle des manières. On n'a pas senti la différence, et c'est incroyable de le dire, parce que Payet, qui apporte énormément dans le jeu, on n'a vraiment pas été orphelin de lui avec Amine Harit. Alors, on se doute que c'est comme c'est le premier match, mais on a quand même vu un mec qui avait faim, qui avait envie de bien jouer, de nous montrer, et techniquement il a été impressionnant, il nous a servi quelques gestes de très très haute qualité, donc c'est une très très bonne nouvelle, parce que, comme tu le dis, qu'on est à peu près un joueur par poste pour remplacer. Robin, pour finir, toi la compo aussi, elle t'a inquiété ou au début quand tu l'as vue, ou t'as été plutôt hypé entre guillemets? Surprise, ça c'est sûr, après oui. Un peu des deux, parce qu'il y avait quand même pas mal de points d'interrogation sur le rôle qu'allaient occuper les joueurs. Ouais. Et moi, quelque part, oui. Non, vas-y. Ah, pardon. Je t'écoutais. On avait quand même ce déséquilibre entre le côté gauche. Il y avait quelqu'un d'un côté, Liron, qui est le ton du jeu qui a rentré en ligne. Alors Robin, pour le coup, cette fois je te coupe pour de vrai. Cette fois je te coupe pour de vrai parce que ça a beaucoup sauté, on t'a entendu de manière robotique. Ça va me permettre de te répondre autant que de voir si tu peux régler le problème. Malheureusement, la technique on la gère pas toujours. Ce que je voulais dire, c'est. C'est mieux là? Ah là c'est parfait là. Et vas-y. Dis-nous tout. Parfait. Que surpris, oui, forcément par la composition. Après, il y avait aussi à la fois de la hype et à la fois des incompréhensions, dans le sens où je fais confiance à Sampaoli, c'est pas là le souci, mais il y a quand même un déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche. Quand on voit que Lirola, il a son rôle de piston, mais qui en même temps rentre au cœur du jeu entre les lignes, et de l'autre côté, Camara qui a pas du tout le même rôle. Donc, comment ce déséquilibre pouvait être mis correctement contre Monaco et pouvait être efficace, on nous l'a montré aujourd'hui, et c'est donc une belle concrétisation, je pense, de ce dispositif. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai eu à peu près la même sensation que toi, c'est-à-dire, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, oula! Mais en même temps, je me disais, Sampaoli, c'est ce qu'il fait. Je veux dire, Sampaoli, c'est pas. Depuis le début de saison, il a quasiment zéro erreur. Et je me suis dit, bon, il les a vus, c'est lui qui les voit à l'entraînement, il est assez fiable sur ses compos depuis le début de saison. Je le laisse faire et on verra. Et j'ai été très content de le laisser faire parce que il n'y a vraiment eu aucun problème avec cette compo. Et la petite surprise aussi aujourd'hui, alors là, c'est vraiment la chose qu'on n'attendait pas, c'est la titularisation de Dieng, mais surtout de Dieng à gauche. Alors, c'est vrai que Dieng elle nous a habitués à jouer en pointe. Mais finalement, il était titulaire à gauche et c'est là qu'il a été le meilleur que depuis le début, depuis qu'il arrive à l'OM. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de son apport sur le côté gauche? Qu'est-ce qui fait qu'il a été meilleur aujourd'hui sur un côté plutôt qu'en pointe quand il y jouait? Voilà, qu'est-ce qui vous a plu sans nous dire évidemment par rapport au top, parce que on se doute qu'il sera dedans, mais sans nous dire sans nous expliquer pourquoi c'est un top, mais nous expliquer tactiquement ce qu'il apporte. À gauche plutôt que dans l'axe Axel. Alors déjà, il faut que je me rappelle des matchs où il jouait en pointe, mais après, déjà en pointe, c'était
on avait du mal. C'était plus un poids de fixation, il y avait du mal à prendre les espaces. Là, il prend, ça lui permet de prendre les espaces, on a vu sa qualité de vitesse. Et c'est, pour moi, c'est une de ses qualités, c'est au niveau de ses appels. Après, il y a les passes qui vont avec. Alors, imaginez juste Dieng sur le côté et les caviars de paillettes. Vous imaginez ça? Moi, je l'imagine. Ouais, pour moi, il y a tout. Il y a... Bon, déjà, Harit, on a vu avec Harit, parce qu'il y a quand même la qualité comme Payet, mais si on rajoute Payet en plus, oh là là, j'ai peur. J'ai peur pour les adversaires, pas pour nous, mais... Et bah, j'espère qu'on fera peur aux adversaires pendant toute l'année et que ça continuera sur ce chemin. Baptiste, toi, ton point de vue sur la titularisation de Dieng à gauche, est-ce que ça a été une surprise pour toi au coup d'envoi, finalement? Ou est-ce que tu t'es dit, c'était une possibilité déjà? Bah forcément, c'était une possibilité dans le sens où, en fait, on s'en doutait qu'on allait avoir de la modification dans la compo de départ avec nos absents actuels. Et je me suis dit, en fait sur ce match-là, c'est fou, mais je m'attendais pas à un truc type. Je me disais pas, ça sera là, comme on a pu avoir avec les autres joueurs. Et je me dis qu'en fait, bah, c'est bien. Ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on peut jouer dans d'autres systèmes que d'habitude. Ouais, en fait, on surprend nos adversaires, quoi qu'il arrive, quoi, finalement. Vas-y, Robin. Ouais, ben moi, en fait, j'ai été les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai été surpris et à la fois, je me disais que c'était totalement une possibilité parce qu'on sait quand même que quand il jouait avec les pros, alors au début, il était en tant que buteur, mais derrière, il s'est quand même mué en... Il est quand même devenu ailier droit. Il jouait pas mal sur l'aile, donc on savait quelque part que c'était déjà une possibilité pour lui. Après, il avait été moins bon et c'est vrai que ben on l'annonçait plutôt comme la doublure de Milik et donc c'était quand même évident qu'on s'attendait à le voir en pointe derrière. Après, c'est vrai qu'on a vu aujourd'hui que ben, c'est un joueur quand même très intelligent. On le voit par rapport à ses appels, toujours au bon moment, dans le bon timing. Et puis on voit aussi que c'est un joueur qui a du mental parce que deux frappes non cadrées, suivies de deux poteaux, fallait rester dans son match. Ouais. Le but qu'il met, il est beau. Et puis c'est surtout le deuxième aussi qui est pas mal parce que il est au départ, il loupe l'action. Le ballon est récupéré par Harit et il se remet en jeu. Il arrive à se mettre vite en jeu pour pouvoir prendre la meilleure décision possible et utiliser son corps en tant que pivot pour mettre cette frappe croisée derrière. Donc vraiment surpris par le joueur. Et c'est vrai que mine de rien, même s'il était passé sur l'aile gauche ce soir, son deuxième but me fait penser que ça reste quand même un bon attaquant et un bon avant-centre. Oui, c'est ça. Et finalement, tu as l'impression qu'il peut jouer un peu sur tous les fronts de l'attaque. On l'a aussi vu rentrer à droite dans certains matchs. On l'a vu maintenant à gauche. Et aujourd'hui, là où il a le plus convaincu, c'est à gauche. Mais c'est vrai que contre des équipes qui jouent assez haut, avoir un Dieng qui prend à la profondeur systématiquement, ça peut être très intéressant. Juste avant de passer au top flop de Baptiste, nous allons écouter Axel qui a un petit dernier truc à nous dire sur le coaching. Alors, c'est un petit dernier truc, je pense que vous l'aviez tous entendu. Et c'est le fait que pourquoi peut-être on a été aussi bon aussi, c'est quand on regarde la composition, il n'y a que Under qui est en trêve internationale, donc il a pu bosser toute la semaine avec eux. Et je pense que ça a pu faire la différence. Parce que d'habitude, il y a les internationaux, il y a Mandanda, mais que ce soit De La Fuente ou alors les autres, ils ont toujours une trêve internationale, donc il ne peut pas très bien bosser avec eux, que là, il a quasiment tous eu, et je pense que ça a fait une petite différence quand même par rapport à Monaco où Ben Yedder n'était pas là, Chouamini n'était pas là. C'est vrai ce que tu dis, que c'est vrai que dans les titulaires aujourd'hui, c'est quasiment l'équipe qui était titulaire pendant le match amical contre Nîmes, victoire 4-1, et c'est vrai que je ne l'avais pas remarqué avant. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est des joueurs qui ont pu finalement, qui avaient quand même un match ensemble. Tout à l'heure, je disais qu'ils n'avaient jamais joué ensemble. Finalement, ils en avaient un et il est très récent et on a vu que ça s'était plutôt bien passé. Bon, contre une équipe de Ligue 2, évidemment, mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant ce que tu soulignes. Et donc, on avait aussi vu à l'entraînement, dans les petites vidéos que l'OM nous proposait, la complicité entre Amin Harit et Amadou Bamba Dieng, qui s'est encore révélée aujourd'hui avec la passe décisive de Harit pour l'attaquant marseillais. On va passer à la suite, on va passer donc au top flop de Baptiste. Baptiste, on va commencer par les tops. Je t'autorise à en donner deux, puisqu'aujourd'hui il y en a un dont on est sûr que tu vas nous parler. Et ensuite, tu pourras nous parler de
penché. Bien sûr, il le mérite amplement. C'est notre ami Bambadia qui est déjà premier top de ce match, hein, forcément. Évidemment, qui nous fait une très belle. C'est deux tirs sur poteau, deux buts dans le jeu monstrueux, que ce soit sportivement ou même moralement. Une personne qui était complète ce soir et qui on doit beaucoup, qui commence à se montrer, qui marque des points auprès des supporters, auprès de Sampaoli. Et ça devient très, très, très intéressant. Et pour le deuxième, franchement, je réfléchissais un petit peu sur au niveau des stats et je me refaisais un petit peu le match. Ouais. J'ai un peu du mal à choisir entre Rongier et Guendouzi, tu vois. J'ai un peu du mal à départager en soi. Parce que Rongier, qui quelquefois a été décrié, là ce soir nous fait un match incroyable. Même quand on voit avec la percée qu'il nous fait dans la défense, hop, un coup à la gauche, un coup à la droite, hop, et vas-y que je traverse. Et vas-y que j'envoie, et vas-y que je te la pique, il peut bien faire, elle touche le bras, c'est très bien joué de sa part. Et Guendouzi qui dans son match, encore une fois, hein, c'est faut dire, mais il est critiqué avant qu'il arrive à l'OM, mais on le voit jouer, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est très dur. Et en soi, même l'équipe, et après, hein, on peut mettre un beau top sur l'équipe en général. Hein. Comme j'ai dit, hein, que ce soit au niveau de l'attaque, du milieu, même de la défense, dès qu'il y en a un qui passe, hop, il y a un relais tout de suite, ça discute, ça se trouve, ça joue petit jeu, faire des passes et tout, ça maîtrise le jeu. C'est très très intéressant. Et maintenant, si on doit mettre un flop. Alors attends, on va parler des flops juste après. On va parler des flops juste après. On va commencer par les deux tops dont tu as parlé. C'est Bamba Dieng, donc vous avez sa heat map qui est à l'écran à l'instant et on voit justement hein, qu'il est très à gauche et on le voit aussi donc dans la surface évidemment, mais on voit aussi qu'il est beaucoup revenu défendre parce qu'on voit des zones de chaleur dans le camp marseillais. Sur le côté gauche, et ça aussi, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, comme tu le disais à l'instant, même Baptiste, chacun se bat pour son coéquipier, rattrape les erreurs des autres, et voir Bamba Dieng, ailier gauche, donc déjà qui n'est pas son poste, et en plus revenir défendre comme un dératé sur plusieurs occasions, et ben ça montre justement ça, et ça rend encore plus hommage à sa prestation, et on espère d'ailleurs que sa blessure n'était que des crampes et que c'est pour ça qu'il est sorti. En ce qui concerne Guendouzi, Guendouzi, c'est impressionnant de le voir à ce niveau-là. Est-ce que Axel et Robin, pardon, vous auriez aussi d'autres joueurs à mettre en top que Baptiste aurait oublié, par exemple? Moi, alors, ce que j'aurais mis en top, alors voilà, mais de toute façon, ils sont tous, voilà, comme l'a dit Baptiste, ils sont tous dans les tops. Moi, je mettrais quand même Luan Perez, quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Je le trouve qu'il a fait un match solide quand même, même si, comme toute la défense. Mais avec toutes ces difficultés qu'il y a eu, moi, je l'ai trouvé bon. Et je trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, il a relevé la tête. Il s'est pas dit j'ai de la malchance, comme à l'image de Dieng dans le match. C'est pas ressassé. Et pour moi, il monte en puissance. Et ça confirme que Sampaoli a eu l'œil de dire à Longoria, mon petit, tu vas aller me le recruter. Ouais, oui, c'est vrai que c'est un style très particulier et très intéressant, surtout dans une défense à 3, il savait ce qu'il voulait en faire. Robin, un autre top ou tu es d'accord avec ce qui a été dit? Non, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Si je devais en rajouter un, je dirais peut-être Rongier, parce que même si il n'a pas été trop mis en lumière, ça reste quand même, je pense, une des pièces maîtresses sur ce match pour le milieu de terrain. Et puis ça se ressent au travers de ses statistiques quand même. C'est lui qui fait le plus de tacles dans le match. C'est lui qui gagne le plus de duels après Harit. Et oui, on sent de la maîtrise. Et puis c'est vrai que c'est un joueur quand même qui n'a pas trop été utilisé au début de saison par Sampaoli, même en pré-saison. Donc c'est toujours compliqué. Et il montre qu'il est présent et que quand on fait appel à lui, il est là, quoi. Ouais. Surtout que c'est vrai qu'on ne le faisait pas trop rentrer dans les plans et finalement, il s'en sort plutôt très très bien. Y a un joueur que vous n'avez pas dit, que The Obi-Wan nous a cité dans ses tops. Lui, il a dit Rongier, Dieng et Harit. Amine Harit, vous n'avez pas cité Amine Harit dans les tops, ça me surprend parce que... Bon, alors là, je vous ai affiché aussi sa heatmap à l'écran. Vous qui nous écoutez et qui nous regardez, il y a sa heatmap et on voit qu'il a été partout ce soir, dans l'axe à droite, à gauche. Vraiment, il a organisé le jeu de partout. Il était tout sauf un numéro 9 finalement, à part en phase défensive. Mais il a été partout, ça a été le dépositaire du jeu, c'était le jeu passé quasiment systématiquement par lui. Alors évidemment, les autres milieux de terrain l'oubliaient entre guillemets de temps en temps par choix finalement. C'est aussi la tactique qui est faite comme ça. Mais
C'est quand même impressionnant pour un premier match. Un mec qui vient d'arriver, il a à peine, il a un match à l'OM officiel, c'est celui d'aujourd'hui, et d'être aussi, on a vu quelques voilà problèmes de complémentarité avec certains, mais je trouve impressionnant que son premier match soit de cette qualité-là, et c'était très très bon augure pour la suite. Et c'est d'ailleurs assez drôle que vous ne l'ayez pas cité, parce qu'il y avait tellement de joueurs qui ont été bons aujourd'hui que c'était très dur d'en retenir un ou deux ou trois maximum. Baptiste, tu veux nous parler de tes flops, à part si vous avez quelque chose à dire peut-être sur Aminarit? Non, mais moi j'ai juste quelque chose à dire, enfin, qui est quand même intéressant et cocasse. Ouais. C'est qu'on s'est toujours dit les dernières années que Marseille recrutait des joueurs qui étaient pourris, on pensait qu'ils étaient bons, qui au final ne réussissaient pas à l'OM. Bah là, en ce moment, avec du coup Harit et Saliba, et je peux en citer d'autres, on a des joueurs qui étaient pourris dans leur club et à l'OM qui renaissent. Pareil pour Wonder. Alors d'habitude, c'est l'inverse. Non, attends, je sais plus. Qu'est-ce que je me suis emmêlé les pinceaux, mais tu m'as T'as dit compris. que les joueurs... Non, mais je disais que d'habitude, c'était l'inverse. Que les Ouais, joueurs d'habitude, étaient oui, très c'est ce que. performants en club et après, arrivés à l'OM, n'étaient pas bons. Ah, Et c'est toi, ça, c'est ouais, et ça. toi t'as dit... Et là, pour une fois, c'est ça, C'est c'est de l'inverse qui l'inverse. s'est passé. C'est particulièrement cool, quoi. Oui. Enfin, je trouve ça intéressant comme quoi, donc Goria, il fait du meilleur taf que les anciens que je ne citerai point. Et on ne citera pas. Alors, est-ce que tu veux nous parler de tes flops, du coup, maintenant? S'il y en a, évidemment, parce que... Avec ce soir. Et oui, ouais, il y a un flop. Après, c'est pas un flop joueur, comme j'ai dit. C'est plus un flop un peu style de jeu où on a pu se faire peur. C'est sur les coups de pied arrêtés. Je vais y revenir un coup. Ouais, vas-y. Que ce soit sur les corners ou même sur les 2-3 coups francs qu'ils ont eu. À chaque fois, on le voit sur à la fin. Je crois que c'est Jason Martin, si je ne me redis pas de bêtises, qui met une frappe, une reprise surpuissante qui passe à gauche sur la gauche du poteau. La tête de Voland. Je trouve que sur les coups de pied arrêtés, c'est peut-être un poil encore trop superficiel, et je pense qu'il faut peut-être un peu faire attention à ça. C'est vraiment sur ces moments-là, c'est les seuls moments où on a pu se faire peur, même si les frappes n'étaient pas cadrées, les joueurs étaient quand même présents, ils avaient quand même le ballon posé. C'était juste une question après de pouvoir finir, quoi. Je pense que vraiment, vraiment, c'est un point. S'il y a un flop à avoir dans ce match, ça serait coup de pied arrêté sur nos défenses, quoi. Ouais, c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, on est souvent en difficulté. Et c'est pas que d'aujourd'hui. Il y a voilà, le match contre Bordeaux où on prend un but sur corner, le but contre Saint-Etienne, on prend un but sur corner. Ça fait pas mal de. Ça fait 2 buts sur 5 encaissés sur corner, ce qui est déjà beaucoup. Après, c'est vrai que c'est une phase de jeu qu'il faut améliorer, mais qui est. Vraiment améliorable. Alors, il y a The Obi-Wan qui nous parle de Balerdi en tant que flop. Est-ce que vous êtes d'accord avec The Obi-Wan? Alors, d'accord, oui et non. Il a fait des erreurs, Non. mais après, Ouais. c'est. Il a fait des erreurs, mais C'est c'est du possible. Balerdi. On a l'habitude C'est que ça. Balerdi fasse Il est que jeune, des il erreurs. est. Eh oui, il prend le rouge quand il prend le rouge la dernière fois, c'est pareil, c'est une erreur. C'est pour moi, c'est quelqu'un qu'on. Bah, il fait des erreurs, on peut pas lui en vouloir. Encore, tu me dis un pays qui fait des erreurs, là je te dis, ok, flop. Même s'il en plante, il fait. Ah, Balerdi, j'ai du mal à quand même à dire que c'est un flop. Hein. En soi, il a peut-être fait 2-3 erreurs avec des ballons un peu dangereux, tout ça. Mais en soi, il apprend. C'est comme tout le monde. Hein. Et un flop, ça aurait été vraiment pour moi quelqu'un qui aurait fait une contre-performance dans ce match et il Ouais. n'est pas dans la contre-performance ce soir, quoi. Et surtout que il a fait des erreurs, mais il a aussi rattrapé quelques erreurs de ses coéquipiers. Et ça qui a été intéressant, c'est qu'aujourd'hui, aucune des erreurs défensives n'a été préjudiciable parce que les défenses nous ont, nos défenseurs ont compensé les erreurs adverses et enfin les erreurs de leurs coéquipiers. Et ça qui a été très intéressant aussi aujourd'hui et qu'on espère voir à l'avenir. Mais voilà, Saliba a fait quelques erreurs compensées par Perez Balerdi. Balerdi en a fait compensées par Saliba et Perez et ainsi de suite. Alors voilà, c'était vraiment très intéressant. Alors Robin voulait réagir par rapport à Balerdi. Et oui, parce que moi je suis pas du tout, mais pas du tout d'accord avec Monsieur The Obi-Wan, parce que pour moi, Balerdi, il a fait un énorme match ce soir. Alors oui, d'accord, il a fait des erreurs, mais pour moi c'est quand même le défenseur qui a été le plus en vue. Il a fait un travail de couverture énorme, il a ratissé beaucoup de ballons, je pense qu'il en a récupéré énormément aussi. Et oui, c'est vrai que je rejoins ce que tu dis aussi, Sam, c'est que d'un côté, il a aussi compensé les erreurs de ses coéquipiers. On l'a vu beaucoup sur les ailes. C'est-à-dire qu'il allait en touche presque pour aller tacler les joueurs. Il récupère Ouais. le ballon et il protège aussi dans sa surface. Et puis je ne sais pas vous, mais moi ce qui m'a surpris beaucoup, c'est qu'à l'heure de jeu, on l'a carrément vu sur l'aile gauche en train de faire un appel dans la profondeur, quoi. Ouais. Ah C'est-à-dire que le ouais. mec, il s'est complètement lâché.
Et puis ça se voyait qu'il jouait, relâché, il jouait confiant, quoi. Pour moi, c'est vraiment un match de référence pour lui. Après, forcément, oui, il y a quelques erreurs, il doit encore bosser son inattention, mais ça, c'est des choses qu'on lui répète, donc c'est des choses qu'il bosse, j'imagine. Mais avec le temps, ça pourrait être que mieux. Et pour moi, c'est un de ses matchs référence ce soir. Oui, d'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse que c'était un aspect, la concentration. Il a dit, je suis un jeune joueur, la concentration est un aspect du jeu sur lequel je travaille beaucoup. Et on s'en rend compte qu'il fait beaucoup d'efforts, qu'il a très envie de bien faire. Voilà, c'est pas un joueur qui semble être complètement à côté de ses pompes non plus, quoi. C'est un joueur qui a fait des erreurs et il le sait. Et je pense que on en est beaucoup à le savoir. Mais oui, c'est très. Moi, je le trouve aussi très intéressant de par sa qualité technique, pardon, et de par son apport défensif aussi. On va passer à la suite, je crois que plus personne n'a rien à dire sur le sujet. On va passer à la suite, c'est la dernière partie de notre talk de la 93e minute. On va parler de la suite pour l'Olympique de Marseille. Et la suite, c'est d'abord le classement. Marseille est assuré d'être sur le podium à l'issue de la journée, et c'est déjà une très très bonne nouvelle. Marseille a 5 points de Paris, mais avec un match en moins, avec le même nombre de points que Angers qui joue demain. Mais l'OM joue en Europa League jeudi, joue contre Rennes dimanche prochain, enchaînera contre Angers justement mercredi suivant, et ensuite recevra le Racing Club de Lens. Alors 4 matchs en 2 semaines qui arrivent, ça va être musclé, ça va être solide, mais avec l'effectif qu'on a, j'ai l'impression qu'il ne peut pas nous arriver grand chose. Moi, ma question que j'ai envie de vous poser par rapport au match contre le Lokomotiv Moscou qui arrive là ce jeudi, quel compo mettre? Est-ce que vous avez des idées, voilà, de remplacement, pour faire tourner? Est-ce que vous mettez, par exemple, Mandanda ou Paulo Lopez? Est-ce que vous mettez plutôt Conrad de la Fuente, Luis Enrique? Est-ce que vous retentez le coup avec Cheick Bamba Dieng? Toutes ces questions avec Tchalet Assar, qu'on n'a pas encore vu cette saison. Voilà, j'ai pas mal de questions. Et voilà, qu'est-ce que vous feriez? Je vais commencer par Axel, et ensuite on fera dans l'ordre. Alors, qu'est-ce que je ferais? Parce qu'on a tellement d'options. Alors déjà, à mon avis, ce sera Mandanda dans les buts. Je pense qu'à faire poser Mandanda, on a vu qu'il y avait peut-être, une, comme tu l'as dit, un bandage, peut-être une gêne sur la cuisse. Mais à mon avis, Poignet. Sur le poignet, pardon. Sur le poignet. C'est parce que je n'ai pas regardé, mais ouais, sur le poignet. Alors, peut-être qu'il y a eu, en espérant que ça aille, mais à mon avis, il jouera en Europa League face au Lokomotiv. Après, je pense que soit Under ou Lirola repartira. Sera sur le banc, à mon avis. Ouais. Alors, je sais pas qui mettra, peut-être qui mettra de la Fuente, de la Fuente à droite, ou même si ça me plaît pas, ou alors il va faire rond. Je sais pas, mais à mon avis, on a un des deux qui va partir. Et à mon avis, de toute façon, avec le retour de Payet, est-ce que ça va être Dieng ou Harit qui va partir? Mais Payet, il va revenir, ça c'est sûr. Sauf ouais. si, évidemment, comme je le dis, il est encore blessé et que ouais. ça va pas. Après, ça avait pas l'air d'être une grosse blessure. Non, je pense pas. Enrique ou Conrad de la Fuente ou Dieng, par exemple, pour toi, Axel? Ah, tu connais mon chouchou, de la Fuente, donc forcément, j'ai de la Fuente pour moi, je mettrai. D'accord. Baptiste, qu'est-ce que tu ferais, toi? Est-ce que tu ferais pas mal de changements? Est-ce que tu garderais cette structure avec quasiment une équipe similaire, avec le retour de Payet notamment? Ou est-ce que tu pourrais faire un changement complet pour l'Europa League? Non, je monte, je fais sauter, tu vois. Je pense soit je remonte Dieng, je fais sortir un milieu, je mets Payet à la place, pour dire d'avoir un point. Ou soit je reste dans une composition similaire. Je trouve ça elle est assez complémentaire. Hein. Je pense que Harit mérite de jouer, vraiment. Même s'il était sur un poste là, en remplaçant Payet, je trouve qu'il a vraiment sa place dans l'équipe et qu'il mérite de jouer. Et en fait, j'aimerais bien le voir soit sur quelque chose de assez puissant où vraiment il y a un enjeu gros. Soit certes il y avait un enjeu, mais sur un match d'Europa League, je pense que Sampaoli va très clairement faire comprendre que on n'est pas là pour rigoler, qu'ils sont pas là pour dire de se faire plaisir ni rien, et que vraiment va falloir les marquer très très fort. Il va falloir les planter du but à l'extérieur, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier, on joue en Russie ou quoi que ce soit. Donc je pense que non, il y a des joueurs qui sont là soit et qui méritent d'être reconduits en Europa League et même contre les prochains matchs en Ligue 1. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le point de vue. C'est vrai que Harit mérite de jouer. Alors pourquoi pas essayer de l'associer à Payet et essayer de faire un peu deux meneurs de jeu. Ça aurait plus d'impact pour eux sur les ailes.
On sait que Payet aime bien son côté gauche, mais il aime bien aussi dézonner. Et Harit, on l'a aussi vu sur les ailes. Après, moi, ce que je me dis, c'est que c'est quand même une entrée en lice en Coupe d'Europe. Et que, bah, aujourd'hui, il y a une statistique qui m'a marqué aussi, je me suis dit à moi-même, c'est qu'il n'y avait aucun joueur de moins de 30 ans sur le terrain, quand même. Donc, je me dis que. Même de moins de 27 ans. Moins de 27 ans. Il y a besoin aussi de cadre sur le terrain. Et c'est vrai que moi. Ça ne me dérangerait pas forcément de voir Alvaro titulaire en défense centrale. Parce que mine de rien, Alvaro, il n'a pas fait des si mauvaises prestations que ça. Et puis, c'est quand même un pilier de la défense et même au niveau de l'atmosphère du vestiaire et de l'équipe en général. Donc, ça ne me dérangerait pas de le voir titulaire. Après, qui j'enlèverais à sa place, ben, je ne sais pas. Peut-être Balerdi ou peut-être Luan Perez par rapport à l'enchaînement des matchs. Mais ouais, à voir. Ça se discute. Ouais, ça peut être intéressant de voir. Hein. Quel compo va aligner Sampaoli ? Est-ce qu'il va faire tourner ? Et de toute façon, moi j'ai l'impression que s'il fait tourner, il ne fera jamais vraiment tourner parce que chaque semaine, la compo est différente. Mais surtout, que chaque joueur est qualitatif et que chaque joueur peut apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit même Tchaletassar, que ce soit Alvaro, que ce soit Enrique. Voilà, tous les joueurs, on a vu Rongier, finalement, sur qui on pensait que ça ne comptait pas et finalement, sur qui on compte. Voilà. Ça fait pas mal de joueurs sur qui on peut s'appuyer, même sur le banc. Et j'aimerais bien, moi aussi, que dans les joueurs qui pourraient être titulaires en Europa League, on puisse tenter quelques coups avec les jeunes. Voilà, je pense à Ben Seguir, je pense à Nadir ou alors à Targaline, qui sont les trois joueurs les plus représentés dans le groupe pro depuis le début de la saison. Ça peut être aussi une solution de voir jouer ces jeunes. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on a découvert Camara, c'est aussi comme ça qu'on a pu découvrir Lopez en faisant tourner. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Non, mais je comprends que ça t'intéresse, mais alors sincèrement, pour un premier match, pour le premier match d'Europa League, c'est faut tenter, mais moi je le tenterai pas. Peut-être dans les prochains matchs, si jamais on est sûr de se qualifier, par exemple le dernier match contre le Lokomotiv, par exemple. Mais pour un premier match, pour moi, à mon avis, je tenterai pas. Alors, c'est mon avis. Peut-être que mes collègues ne sont pas d'accord, mais c'est mon avis à moi. Alors, moi, je ne parle pas forcément pour ce match-là, mais je veux dire, en Europa League, ça peut être bien voilà, de faire jouer, les jeunes joueurs aussi. Ça peut être une solution intéressante. Alors, c'est vrai qu'on a un groupe très relevé qui sera sûrement très équilibré, mais je trouverais ça... Voilà, je trouve que si tu ne le fais pas en Europa League, tu ne le fais jamais, finalement. Ou alors, tu le fais en Ligue 1 contre un club moins fort, avant de jouer en Europa League, mais il faut pouvoir intégrer des jeunes joueurs aussi à l'effectif, même si c'est vrai que l'effectif là est quand même très très complet et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un jeune joueur tout de suite titulaire, mais ça peut être... Moi j'aime bien voir les jeunes joueurs et au moins me faire un avis sur eux, quoi. Ah, t'as la Coupe de France pour ça. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a remarqué Dieng. Hein. Ouais, mais la Coupe de France, c'est final, en 6 mois. Tu vois qu'un an après, il est titulaire, quoi. Ouais, titulaire, une fois, oui. Et Simon... Il a marqué les esprits, il a marqué les points. Il a marqué des gros points aujourd'hui, il avait marqué 2 buts. Donc Alors au classement aujourd'hui, pour conclure cette 93e minute, Marseille est 3e du classement, est assuré d'être sur le podium ce soir avec 10 points en 4 matchs, avec donc un match en retard sur le Paris Saint-Germain notamment, qui a 15 points avec 5 victoires en 5 matchs. On a inscrit 10 buts. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les concurrents. Alors Nice est le concurrent qui a réussi le meilleur début de saison. Mais si on parle de Lyon, et Lyon est à 5 points, Rennes est à 5 points, Lille est à 5 points, Monaco est à 4 points. Ça fait beaucoup d'équipes qui sont censées jouer le haut de tableau et qui sont pour l'instant quand même pas dans le meilleur début de saison de leur vie, et ça peut être aussi intéressant de prendre de l'avance dès maintenant pour l'Olympique de Marseille, et d'être prêt si tôt, ça peut être une super nouvelle, non, Baptiste ? Baptiste, t'es mute. Oui, je suis là, pardon, excuse-moi. Tu peux répéter ce que tu m'as dit, j'ai pas tout compris. Non, je disais qu'on a super bien commencé la saison par rapport à nos concurrents directs. Je disais Rennes est 8e, Lyon 9e, Lille 10e, Monaco 14e. 4e, 4 points, 5 points, c'est sûr, ça nous met un match, entre guillemets, ce que j'aime bien dire, une balle de break un petit peu à l'abri, mais
C'est sûr que après ils sont loin, mais faut pas se leurrer. On est cinquième journée. Oui. Faut être tranquille. On sait comment c'est un petit peu tout ça et toujours de se dire ouais, on y est, c'est bon, on a large. On s'est déjà fait assez peur. Moi, à la trêve hivernale déjà, j'aurais déjà on pourra commencer, je pense, à parler d'un bon classement avec une bonne avance ou pas. Je pense que ce sera à ce moment-là et pas avant. Ouais, mais évidemment, après, moi, je dis ça aussi par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on c'est voit sûr. Des autres sur le terrain aussi, et les résultats, voilà, qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus s'enflammer, il y a de belles choses. Non, c'est sûr, on ne va pas s'enflammer, mais on peut toujours être sûr, en vue de ce qu'on voit sur le terrain, on peut toujours être content du boulot, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est sûr que, moi, je ne m'enflamme pas, et je me dis qu'en fait, bah, ça commence bien, on a une bonne équipe, ça joue. Et je sais qu'on va se faire plaisir. Et si on fait une campagne européenne qui reste intéressante et que ça nous pousse, et ben l'année prochaine, on va avoir du pognon. On va pouvoir finir de les acheter. On va avoir du pognon, on va pouvoir racheter d'autres joueurs. Et puis au fur et à mesure, bah, ma cour va être contente sans Paoli, donc nous, il va rester. Et ainsi de suite, on va peut-être enfin avoir. On va commencer à avoir un OM qui va commencer à durer. Un OM qu'on a connu il y a quelques années en arrière, avec des entraîneurs qui restaient, des joueurs qui restaient. Et on avait un petit peu des arrivées qui arrivent au fur et à mesure. Quoi. Exactement. Axel, est-ce que tu veux réagir ou Robin, et ensuite on va conclure tranquillement ce talk. Bah alors je vais réagir par rapport au tu parles du nombre de points. Ou ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à Monaco et Lille, parce que Lyon là, on a un match en moins quand même face à Nice qui voilà n'est pas gagné d'avance. Mais il faut pas oublier que jusque normalement on n'a pas la date exacte. Normalement avant ça jouerait avant le mercato d'hiver. On devrait jouer contre Nice, mais on a toujours ce match en moins. Donc forcément, ouais. On a toujours ce joker, se dire que si jamais ça revient, faut pas oublier ce match-là. Ouais. Et moi, c'est là où après, je trouve ça intéressant. Après, c'est un joker contre Nice, quoi. Donc c'est pas forcément un joker où tu peux te dire, ouais, c'est sûr, on aura les 3 points. Là, c'est un joker contre une équipe qui joue un sacré football. Mais c'est vrai, hein, on a toujours ces matchs en moins. Et un match en moins, c'est un match en moins. Et on verra bien ce que ça va donner, hein. Ça peut être vraiment intéressant de voir ce que va donner déjà la fin de journée de demain avec le Strasbourg-Lyon, avec les matchs de Rennes et de Nice. Et de Nice, pardon, voilà, exactement, contre Nantes. Vas-y Robin, et ensuite on va conclure tranquillement. Ouais, bah moi je trouve que c'est une victoire quand même assez satisfaisante parce que c'est une victoire contre les fameux gros. Des victoires qu'on attendait tous il y a 2-3 ans quoi, et qu'on n'avait pas forcément, donc forcément oui, c'est une victoire très satisfaisante et une victoire aussi solide qui laisse présager du bon pour la suite. Ouais. Après il y aura forcément l'enchaînement des matchs qui fera que le niveau général sera peut-être un peu moins bon à cause de la fatigue, mais c'est très prometteur quoi. Et c'est vrai hein, qu'on avait l'habitude avant l'arrivée d'André Villas-Boas de ne pas gagner contre les grosses équipes, et depuis l'arrivée de Villas-Boas c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on bat au moins une équipe du haut de tableau par an, et c'est une sacrée bonne nouvelle pour la suite et de très bon augure pour la suite de la saison qui promet d'être haletante. Et bien écoutez, merci de nous avoir écoutés pour cette 93e minute notre talk d'après-match de Peuple Olympien. C'était un plaisir d'être avec vous, c'était un grand plaisir d'avoir pu animer cette émission en compagnie d'Axel, Baptiste et Robin. Vous avez été super. Merci à toi Sam. Avec plaisir, et merci à vous d'avoir réagi dans les commentaires aussi. Voilà, vous avez été très actifs aujourd'hui, ça a été un plaisir pour nous de débattre de vos commentaires aussi, notamment sur l'Irola au début de talk ou sur vos tops et vos flops par exemple. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, vous pouvez nous soutenir sur Twitch en vous abonnant Prime à notre compte. Vous pouvez vous abonner aussi à nos pages Twitter, YouTube, Instagram, Twitch, enfin tout ce que vous voulez. Nous sommes partout et vous êtes notre seul soutien. Donc n'hésitez pas à nous aider. Merci à tous, bonne soirée et allez l'OM. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, salut. Bonne soirée. Salut.